l'esprit léger et le corps sain, qui sais-je vivre en sécurité et sans ambition. Puis-je être libre de la colère, de la peur et de l'anxiété. Puissions-nous me voir toujours avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puissions-nous être capables de vivre avec fraîcheur, dans la détente et la stabilité, libre de tout attachement et de toute aversion, sans sombrer dans l'indifférence. Puisse-t-il être en paix et heureux, l'esprit léger et le corps sain. Puisse-t-il vivre en sécurité et sans affliction. Puisse-t-il être libre de la colère, de la peur et de l'anxiété. Puisse-t-il être toujours avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puisse-t-il être capable de vivre avec fraîcheur, dans la détente et la stabilité, libre de tout attachement. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Les enfants de la source, unis dans l'espoir et la foi qui ressource. L'univers est infini, avec lui nous ne sommes qu'un. Sa lumière est étincelante qui balaye au-dessus de trois champs. Celui qui s'est pas le dire plutôt, tu peux. Il partage, il aime sans encombre. Ta sagesse et ta bienveillance nous montrent la voie. Une vie douce où l'amour est roi. Tu portes la vie. Tu portes la joie, inspire les esprits qui croient en toi. Tes messages ici-bas éclairent les hommes. Ils guident, ils fédèrent, ils sèment des graines. De rencontres fortuites de beaux projets naissent, accompagnés par ta grâce et ton infinie sagesse. Nous sommes incarnés dans ce monde pour réaliser des prouesses. Par l'union des belles âmes qui donnent avec largesse. Pardonne-nous, Marie, notre ignorance. La chaleur qu'on ne devrait pas avoir dans notre corps humain. Qui savait être présent et se disposer, mais pas sur la attitude, disposé intérieurement. Il était capable de devenir un présent. Ce que nous sommes en train de faire avec la diaspora. Et parce qu'elle-même est un présent. Thank you.
soit respecté dans sa propre dignité. Donc, vaisselle, et bien que son fils n'a pas été respecté et dans sa propre dignité, elle a continué à garder jusqu'au bout avec son fils, jusqu'au dernier souffle du pardon de son fils, qui disait Père, pardonne-la, ça va se faire. Nous savons que notre propre main est parfois déséquilibrée à cause de cette ignorance. Cette ignorance fait la distinction entre le corps et l'esprit, et tandis qu'on est appelé à vivre dans une harmonie. C'est la raison pour laquelle cette énergie qui nous habite nous permet de pouvoir maîtriser voilà, notre vie. Merci, Seigneur, pour ce temps précieux. Et tout ce qui nous entoure nous rappelle que nous sommes des êtres. Nous sommes tout petits par rapport à la grandeur de la nature. Le temps vous paraît long. Sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, y en a plus. C'est un bel exemple de méditation interreligieuse et d'ouverture sur le monde. Magnifique expérience à refaire absolument. C'est un très beau partage de spiritualité et de très beaux textes. Enfin, c'était magnifique. Et bien, c'était super, très convivial et avec un site magnifique. Oui, hein, c'était très bien, et ce mélange de spiritualité, bien apprécié. Un petit mot, moi j'ai beaucoup apprécié ce partage, ce mélange et toute la joie que ça m'a donné. Voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, eh bien, que dire que c'est une journée magnifique, pleine de spiritualité, d'amour, de fraternité, et que demander de plus ? Voilà. Merci à tous et remercions Dieu, et notre avec Père à tous, et Marie, et Jésus, bien sûr. On marche. Spirituellement, c'était très fort. Voilà. Everyone was very present, and... It's very good to be together without crispation, ça se dit, on our religion, and to be open to each way of discovery. It's very good. To make people from different spirituality meet together about peaceful love, compassion, which is the subject of the whole tradition. So I'm happy to see you too. Thanks so much. Bye. Et voilà, j'ai encore profité de ce moment-là. Je viens régulièrement ici par le biais du Père Hilary. Et à chaque fois, c'est un renouvellement, une lumière intérieure qui me nourrit pour repartir encore mieux vers le futur. Voilà, je vous souhaite à tous la paix.